السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الأعزاء، المستوى الثالث ابتدائي. Bonjour mon cher élève, bienvenue sur votre chaîne Je Communique TV. Alors aujourd'hui, on va voir un cours d'orthographe. Il s'agit de la lettre C, page 20, 24, page 24 de votre livre L'Arbre au Mot. Ouvrez s'il vous plaît votre livre à la page 24. Vous avez donc le cours d'orthographe. La lettre C. Alors aujourd'hui, mes chers élèves, on va voir l'orthographe, la lettre C. La lettre C, c'est à quelle page? C'est la page 24. Alors, ouvrez s'il vous plaît à la page 24. Vous avez l'orthographe, la lettre C. Alors, regardons s'il vous plaît ici un tableau de différents sons. Il y a le son K, le son C et un autre son. C'est le son CH. Alors, il y a différentes graphies. Du son. Par exemple, au son K, on a deux graphies, soit C, soit CH. Pour le son C, on a C et CCD. Pour un autre son, c'est le son CH. Alors, je lis les mots, puis je les range dans le tableau ci-dessous, après l'avoir recopié. Voilà, on a K, on a C. On a un autre son, c'est ch. Par exemple, ici, pour le son K avec la lettre C, c'est carabine, cube, crêpe, coloriage et classe. Carabine, cube, crêpe, coloriage et classe. Pour CH, le son K, on a l'exemple de chorale. Voilà, chorale, CH, chorale. Et pour le son C, on a deux graphies, C et CCD, comme exemple de cible, cymbale, pièce et garçon, remplaçant. Un autre son, c'est le son ch, comme l'exemple de chaise, chant et bouche. On a ici des questions. Alors, devant quelle lettre C se prononce-t-il? La lettre C se prononce K quand elle est placée devant les voyelles A, O ou U. Comme l'exemple de carabine, coloriage et peut-être cube. Ou quand elle est devant des consonnes comme T, ou L, ou R. Par exemple, classe avec L, cri avec R, ou secteur avec T. Devant quelle lettre C se prononce-t-il C? La lettre C se prononce C. Se prononce C devant les voyelles E, I, Y, comme l'exemple de limace ou racine ou cymbale. Que faut-il ajouter à la lettre C pour entendre C devant les voyelles A ou O, U? Pour entendre C devant les voyelles A ou O, U, il faut ajouter la cédille.
Ça s'écrit comme ça. Regardez bien, s'il vous plaît, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle CCI. Quel autre son la lettre C peut-elle transcrire? Elle peut transcrire le son ché quand elle est placée devant la lettre H, comme chant. Alors, ici, c'est l'entraînement. Je m'entraîne. Alors, écris le mot qui correspond à chaque dessin. Tous les mots contiennent la lettre C. Alors, je vois ici des dessins. Par exemple, ici, c'est cartable, couteau, citron, balance. On a ici deux animaux. C'est pas un corbeau. Non, ce n'est pas un corbeau, il ressemble bien à un corbeau, c'est un oiseau qu'on appelle Tocan. 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 Tocan, un tocan. Et ça, ce qu'on appelle un crabe, il se trouve dans les roches. Sur les plages. Alors, cartable, couteau, toucan, citron, crabe, balance. Un cartable, un couteau, un toucan, un citron, un crabe et une balance. Dans chaque liste, trouve le mot qui ne convient pas. Explique ton choix. Carré, côté, crevette, écume, épouse, regarde mon pouce, classeur, facteur, conseil. Alors, tous les mots, ils ont le son Q, sauf le mot pouce. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'intrus. Ceci, centaine, racine, cinéma, signe, lacet, coureur, pièce. Voilà, ici, le mot coureur. Les autres, ils ont le son C et ce mot, là, un autre son tout à fait différent. C'est que. Recoupez ou complète le mot avec C ou CCD pour entendre le son C. Par exemple, alors je choisis ici Cécile, d'accord? Devant O, A, O, U. Par exemple, un maçon. Par exemple, le français. Par exemple, une balançoire. Aperçu. Agaçant. Un cri perçant. Voilà. Je dois mettre ici Cécile. Une masse. Non, une limace, non, avec ce. Alors, une limace, une ma place, tissé, rage, une sucette, un cyprès, elle est, tu as lancé, c'est avec ce. Et les autres avec ceci. Ma, un maçon, le français, une balançoire. J'ai aperçu, il est agaçant, un cri perçant. Alors, je trouve un mot qui s'écrit avec C et qui répond à la définition proposée. Pièce de la maison où se préparent les repas. Cuisine. Personne qui coupe les cheveux. Coiffeur. Alors, il est souvent servi de boule. Ah, pardon, il est souvent servi en boule dans un cornet. Cornet, vous connaissez les cornets? Oui, ce sont des glaces. Petit velours d'enfant à trois roues. Il y a bicycle, il y a tricycle. Tricycle. On le retrouve au salon, on peut s'y asseoir à plusieurs. On canapé. Un canapé. Alors, pièce de la maison où pièce de la maison où se préparent les repas. C'est la cuisine. Personne qui coupe les cheveux. C'est le coiffeur. Il est souvent servi en boucle dans un cornet. Il est souvent servi en boucle dans un cornet. Des glaces. Petit vélo d'enfant à trois roues. Tricycle. On le trouve au salon. On peut s'y asseoir à plusieurs.
Canapé. À côté de chaque verbe, écris un nom qui contient le sens. Par exemple, placer une place, annoncer une annonce, grimacer une grimace, rincer un rinçage. Un rinçage avec ceci. La C, c'est un. Voilà, un lacet avec ET à la fin. Lacet, un lacet avec ET à la fin. Tracer, un traçage. Une trace. Une trace aussi. Réciter une récitation. Alors, une annonce, une grimace, un rinçage, un lacet, une trace, une récitation. Alors, si tu as le temps, essaye de lire tout le texte de la kermesse de la dernière chance, page 20, dans le dernier paragraphe de la ligne 44 jusqu'à 56, trouve deux mots dans lesquels la lettre C se prononce K. Ça veut dire soit les trois voyelles A, O, U ou les trois consonnes T, surtout L, E, R. Deux mots dans lesquels la lettre C se prononce C. Devant, par exemple, E ou I ou Y, un mot dans lequel tu vois C devant A ou O, U. Ça prononce comme ça le son C. Alors, c'est fini pour cette séance. C'était vraiment magnifique. On a bien compris la leçon d'orthographe, la lettre C. Auparavant, on a déjà expliqué la lettre G. Alors, rendez-vous donc pour la prochaine. Au revoir. À très bientôt.